Ouais, YouTube, bienvenue, nouvelle vidéo sur la chaîne MDATV, bienvenue à vous la famille. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, astuce Kama les gars. Alors vous voyez où je suis, il y en a peut-être qu'ils ont déjà compris. On est sur l'île de Wabit en 25-7. Et les gars, la petite astuce aujourd'hui, c'est de taper le Wabit GM. Je sais pas si vous connaissez la famille, merde. Mais c'est une astuce très très connue quand même. Ah, très connue. On peut dire ça, ou il faut capturer ce mob qui est level, si j'ai pas de bêtises, attendez, je dis niveau 80, donc il faut une pierre de level 100. J'en ai une ici, hop, on la prend. Vous allez voir que c'est très très rapide. Moi je vous rappelle les gars, je suis un cra level 194. Vous allez voir la rapidité du combat, hop. Ah, j'ai oublié de mettre... Ah bah non, bah, j'allais dire j'ai oublié de mettre mon cac, mais c'est normal. Vous allez voir comment c'est très très rapide, les gars. Vraiment, regardez-moi ça. Hop. Hop. Prochain tour, il meurt. Il faut que je lance la capture, par contre. Hop, on lance la capture tranquillement. On fait ça. Et il tombe. Voilà. Les gars, une fois que vous avez capturé la pierre, vous allez... En HDV, vous allez voir la rentabilité de la pierre, elle est incroyable. Alors, pierre d'âme, pas plaine, ouais, c'est les plaines. Et si je dis pas de bêtises, les gars, c'est âme plaine. Ok, là, vous mettez Wabit GM. Hop, on lance ça. Et les gars, le Wabit GM, là, actuellement, il est à 40 000 kama. Celui-là, on pourrait même l'acheter en vrai de vrai. J'ai même envie de faire ça. Et le revendre à 52 000 kama. Hop, on va le mettre à 52 000. Et 53 000 kama. On va mettre les deux puisqu'on vient d'en acheter un. Parce que le mec, il a arraché les prix. Et ça, les gars, c'est une astuce kama. Très, 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 très rentable. Vous allez voir, je vais vous montrer aussi les pierres de level 100. Valent combien? Tac, tac, tac. Pierre d'âme. Et c'est les moyennes. Et ça vaut 13 000 kama. Ça vaut 13 000 kama. Vous vendez la pierre 50 000 kama, on va dire. Ouais, vous êtes en bénéf de 35-40 000 kama. En très rapide. Hein. Alors que, voilà, il faut juste par contre... Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Il y a un respawn de ce mob. S'il n'y a pas de bêtises, c'est tous les 15 ou 20 minutes. Tous les 15-20 minutes, vous revenez ici, le mob il respawn et vous faites ça en boucle. Et ça, généralement, les personnes l'achètent parce que en fait, ils veulent bah, déverrouiller le succès mob de Wabit. Je vais vous montrer ça. Le succès mob, on a dit monstre. Wabit, bah, c'est dans un mec, je pense. Hop, les gars, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être quelque part par là. Ouais, Wabit. Hop, et ici là, exactement ici, ils vous disent de tuer avec un challenge le Wabit GM. Voilà. Donc voilà la famille. Petite astuce Kama, très très rapide, très très efficace. Vraiment, si vous voulez faire des Kama et varier un peu vos astuces Kama, n'hésitez pas à faire celle-ci. Vous allez en 25-8 et vous tapez le Wabit GM qui se trouve dans les souterrains des Wabit avec une capture d'âme level 100. Et vous le revendez entre 50 et 60 000 kaba. Voilà la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire et bien sûr à vous abonner. Et je suis tous les soirs en live à partir de 20h, 21h sur Twitch. Lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le live de ce soir. Force à vous, à la prochaine. Tchuss la famille.